Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Il y a un plaisir, l'autre fois encore, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. États-Unis, président Joe Biden apparaît pour prendre la parole demain soir depuis bureau ovale de la Maison-Blanche, quelques jours après qu'il a annoncé que l'ira à l'école dans la course présidentielle. États-Unis, élection Kamala Harris après paquet de support qu'il recevra, obtenu qu'on y a convention nationale Patia dans le mois d'août, côté délégué pour aller voter officiellement pour le représenter Patia dans la présidentielle novembre. Toujours ici aux États-Unis, démission directrice service secret à Kimberly Chattel après tentative assassinat contre ancien président Donald Trump pendant un rassemblement dans Pennsylvanie. Et puis, dans l'occasion, ils ont visité quelques heures dans Port-au-Prince, ambassadeur États-Unis dans l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, annoncé l'autre financement américain pour sécurité et assistance humanitaire pour Haïti. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. La bonne nouvelle, c'est que la Maison-Blanche a annoncé président Joe Biden pour le mettre devant le peuple américain. Il y a un message qui c'est la première apparition en public depuis qu'il a annoncé l'écrasement quitté ça dans la course présidentielle. Là. On a le droit à peu près. Président Joe Biden, arrivé dans Washington DC, jeudi mardi 23 juillet 2024, ça, après l'été pour un Air Force One, depuis Delaware. Kounia l'a paré pour prendre la parole demain soir, depuis bureau ovale, la Maison Blanche là, nan moment, côté pifo, famille américaine yo, ap la kayo, ça aurait les yon heure de pointe. Président démocrate là, a mette discours ça devant peuple américain, quelques jours après l'été annoncé décision li, pour lire à l'école nan course là, pour yon deuxième mandat dans la Maison Blanche. Président Biden fait annonce là dimanche 21 juillet 2024 là pendant l'été dans Kai vacances li dans Rehoboth Beach dans Delaware côté l'été en quarantaine dans isolement parce que l'été testé positif pour COVID-19. Full comprehensive medical report. Attaché de presse la Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre, t'es fait connaître que président t'es senti quelques symptômes et tout petit et l'été continue à exercer fonction correctement. Dernière fois moun t'es ka wè président Biden en public, c'était mercredi soir, l'été arrivé dans base aérienne américaine nan dans Dover dans Delaware, après l'été testé positif alors que l'étape mené campagne avant ça dans même jour dans Las Vegas. Docteur président Kevin O'Connor fait connaître que président fini hier lundi avec 10e dose médicament anti-COVID Paxlovid et que li continue exercer fonction li comme ça doit. Docteur a précisé symptômes yo complètement disparaître, tension artérielle li, rythme respiration ak température normale et poumon li clair. Moi ce que yon mois avant convention parti démocrate là dans Chicago état Illinois, président Joe Biden 81 l'année ra l'école comme candidat parti démocrate là pour élection présidentielle novembre dans quelques semaines après yon mauvais performance dans un débat contre rival républicain Donald Trump. Mauvais performance ça a été déclenché appel public et privé parmi yo démocrates qui gagnent en pile influence pour retirer l'école dans course là parmi personnalités ça yo gagnent ancien président Barack Obama, ancien président chambre députée Nancy Pelosi et yon paquet l'autre allié président Biden. En pile analyse prévoit nan adresse ça que le parlement mettait devant nation depuis la Maison Blanche, un président Biden pral endosser officiellement Kamala Harris pour représenter parti démocrate là dans élection présidentielle 5 novembre 2024 là. Et puis 24 heures après que président Joe Biden prend décision pour endosser Kamala Harris, et bien Kamala Harris était occupé en pile et les fait un premier rassemblement électoral. Sandra Lemaire, gain détail. Vice-président États-Unis Kamala Harris t'est chargé activité après l'été recevoir endorsement président Joe Biden. Il sécurisé plus passé moitié délégué la besoin pour remporter nomination parti démocrate là et puis il cotisé plus passé 81 millions de dollars qui c'est un chiffre record pour cycle politique élection 2024 là. Harris a travaillé sous message politique qui a intention de servir pour remporter la course présidentielle là dans le mois de novembre. Non. Pendant une rencontre avec l'employé campagne Biden dans la ville Wilmington, État Delaware, Harris a mis accent sur le palmarès professionnel li, en tant qu'avocat accusation. Il dit pendant jour et semaine qu'a vini yo moi-même avec nous on va faire tout ça capable pour unifier parti démocrate nous unifier pays nous et puis remporter élection.
Li comparé palmarès li ak pa Trump la que la justice condamné pour 34 crimes fédéral par rapport à un dossier l'argent imbattable dans New York. You know, as many of you know, before I was elected as vice president, before I was elected as United States senator, li di an pil nan nou konnen, anvan mwen te élu vice président, anvan mwen te élu sénateur États-Unis, mwen te avocat état Californie, anvan sa mwen te avocat accusation nan tribunal. Nan rol sa mwen te fè face à toute qualité criminelle, mèt dame qui abusé femme, magouilleur qui volé l'argent consommateur, coquin qui violé toute règle pour profit personnel yo. Donc écoutez bien l'homme, dis-nous, nous connaissons type moun Donald Trump représenté. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Pendant ce temps, candidat à la vice-présidence républicaine, J.D. Vance, t'es assisté au meeting politique dans l'État Virginie. Vance t'est parlé directement avec électeurs démocrates et puis encouragé à abandonner le parti. Il a invité à rejoindre le parti républicain Pito. To the Democrats who are watching, please find. Les députés démocrates qui regardent yo, tant pis, joignez-nous façon pour faire Kamala vice-président. Je te promets moi un débat avec Kamala Harris et c'est ça m'a cherché. L'histoire songe Joe Biden comme moun qui non seulement baille le gain, mais tout youn parmi plus mauvais président États-Unis. Mais zamio Kamala Harris un million fois pima. Kamala Harris is a million times worse and everybody knows it. Vance ajouté que Harris appuyait tout le programme Biden yo qui échouait et que il était bien menti sous capacité mentale monsieur pour le servir comme président. One of Joe Biden's failures and she lied about his mental capacity to serve as president. Biden annoncé dimanche la bras l'école dans course présidentielle là. Il était cédé en bas pression au paquet démocrate replacé qui dit au quoi les trois grands mounes pour gérer la présidence là pour l'autre 4 ans. Cependant, il insistait pour dire qu'il gagnait capacité mentale pour le fini mandat comme président États-Unis. Mandat va bout 20 janvier 2025. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Fondi que gain en pile électeur qui a réagi sous nouveau et changement ça qui gain dans ticket démocrate la Valérie Saint-Louis gain réaction électeur noyau. Potentiel électeur noyau t'a exprimé tête yo avec un mélange espoir et inquiétude sous sorti Joe Biden dans course électorale présidentielle là avec espoir pour vice-président li Kamala Harris vin candidat démocrate là. Yon circonscription démocrate avec voter noyau t'a aidé Joe Biden remporter la victoire dans primaire 2020 yo. Et puis finalement gagner Maison Blanche. Et puis électeur noyau t'a parmi supporter li yo qui pi fèm même là en pile dans parmi partisan li yo t'a fait appel pour quitter course là. Mais autant que gen quelques citoyens noirs américains qui senti possibilité pour Kamala Harris remporter la victoire et puis vinn président dans prochaine élection yo comme yon moun qui descendant noir mélangé avec indien, course électorale ça fait quelques autres potentiels voteurs yo même yo senti yo gen quelques sauté. Cynthia Pierre, si vous résidez à Atlanta. I'm feeling a little bit confused because it's the first time that something like this that in, you know, my moi senti moi un petit crasse confus parce que c'est première fois que on baraille qu'on s'arrivé. Ou qu'on est n'entend pas moins que moi m'a vivre là, pas jamais moi s'arrivé. Et puis moi juste un petit gens peur parce que avec climat qui gagne dans pays là avec attitude moun yo envers n'importe bagaille qui différent de ça que habitué faire là. Moi senti tant coup course la gagne en faveur parti républicain. Moi senti moi juste un petit crasse peur sous qui gens bagaille au pral passer n'entend qu'à venir. Moi senti mon petit crasse découragé. Moi pensais que c'est probablement moi ça qui pi bon pour m'utiliser. Si pour Joe Biden pour Kamala Harris avec ralliement immédiat l'autre leader parti a pour Corel fait que le venue favori pour le remplacer là la tête ticket présidentiel là. Mais dans l'interview que nous fait dans Atlanta côté que électeur t'a aidé parce qu'il est état Georgia pour démocratio 4 années de ça, quelques électeurs noyau t'a un petit gens senti yo gè kè sauté. Yon sondage vote que agence Epinoc dans centre pour recherche affaires publiques te fait avant annonce Biden le dimanche passé a te joint que environ 6 démocrates sur 10 croient que Kamala Harris ta fait un bon président. Dans un autre sondage qui pillage qui a fait parmi en pile grand monde, sondage a te montré en pile doute sur Kamala Harris avec seulement 3 américains sur 10 qui dit que le tac a fait un bon président. Mais parmi population noire, il y a plus de chances que ouais Kamala Harris avec un yeux positif. En pile démocrate te suivre décision Joe Biden l'a exprimé si poli pour Kamala Harris. Congrès noir Black Caucus a te dit yo même que yo complètement appuyé vice-président. Il y a quelques électeurs noirs qui ont même été découragés par ça et te ouais comme une chance minime pour Biden te gagner élection en novembre.
Yo te dit que yo t'ap supporté n'importe qui moun qui t'a ka pi bien représenté dans compétition électorale là en face Donald Trump. Derek Howell, son résident ville New York. I know there would be historical implication for having a black female president, the first female president. Moi connais ça ta ka gen implication historique pour gen yon président femme noire, premier président femme noire. Eh bien, li pa ta dwe premier président noir, mais premier président femme noire. Nan ça gen implication historique. Mais pi gros sentiment moi dans élection ça, c'est un sentiment anti Donald Trump. Faut que c'est pas lui même. Sondage agence Epinoc là montré que noyau généralement considéré Donald Trump de façon négative. Mais pendant ce temps, sondage a montré que à peu près 7 grands moun noirs sous 10 gagnent une opinion favorable sur Donald Trump. Chiffre Donald Trump a amélioré en pile depuis commencement année 2021. Campagne Donald Trump là lui-même continue à chercher gagner plus électeurs noirs avec même l'autre communauté qui est même minorité. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Réaction New York, réaction Atlanta. Nous parlons pays d'Haïti côté yon leader parti politique dans Port-au-Prince réagit sous décision président Joe Biden prend pour le retirer col dans la course électorale présidentielle novembre 2024 là. Massado Vilme. Ça bien oui, ça fait mettre fort. Fait fourer bouche moi tout. J'ai américain fourer mille pieds oreilles gel. La politique pays d'Haïti. D'après leader organisation politique Émergence Patriotique René Civil, abonnant président américain Joe Biden dans la course électorale présidentielle novembre 2024, là, c'est une faiblesse pour le parti démocrate. Là. Pour paraître face à Trump, qui a fait une pile diversion, qui a fait une perception, le camp démocrate est obligé de passer à l'action pour changer cheval là dans la guerre. Et de pour moun yo a changé cheval là, soldat, général là dans la guerre, ou met konnen yo sous la route perdu. Et quand démocrate là tout, il y a du pain sous la planche. Avec ça qui a passé dans le Moyen-Orient, avec ça qui a passé dans la guerre, la Russie, l'Ukraine, et baisser l'autorité américaine, qui l'hégémonie américaine qui est en jeu, et nous route là sur le monde qui sous un monde bipolaire. Et après, nouveau monnaie qui a évalué dans le monde, qui a sapé la monnaie américaine, ça y est, c'est du pain sous la planche. Créer le gouvernement américain à travers Biden. Gagne. Tout le monde connaît, Biden était capable, avec l'âge qui prend exorbitant maximum. Cependant, ancien candidat pour poste sénateur qui s'allie choix à Kamala Harris là pour représenter le Parti démocrate dans l'élection présidentielle là, dit qu'il n'y a pas de garantie une femme à privé président pays les États-Unis. Je choisis Kamala Harris, c'est une noire qui fait des grandes expériences dans l'administration américaine et qui est très éduquée. En tant que noire, on est bien content qu'ils sont noirs qui dirigent les États-Unis. Mais malheureusement, est-ce que la société américaine, la mafia américaine, l'intelligence américaine prête pour une fille dirigée. C'est la grande question à poser. Nous devons dire, dernière décision, si le président américain Joe Biden prend pour abandonner la course électorale présidentielle, là, semble pas arrêter sans conséquence sur quelques citoyens et citoyennes qui appliquent dans le programme humanitaire parole. Là, il y aurait le tout programme Biden, mais qui beaucoup approuvé. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massia Dovilme pour VOA Creole. Et c'est dans un moment développement ça yo, développement politique et électoral ça yo, que Kimberly Chattel démissionné comme directrice service secret et les États-Unis après tentative assassinat contre ancien président Donald Trump pendant un rassemblement dans Pennsylvanie. Gentil Augustin Junior. Directeur service secret américain Kimberly Chattel démissionné 10 jours après tentative assassinat sous ancien président Donald Trump. Nouvelle qui t'est souqué pays a. Gen quelques réponses sous comment tiré a t'est fait arriver tout près Trump. Chef service secret états-unien Kimberly Chattel qui t'est premier répondre question parlementaire yo sous tiré a t'est parlé carré et t'est dit. We failed. Nous échoué. Chattel t'est dit un rapport complet sous trou vide. Que agence l'ont quitté dans protection pour ancien président ta doué paraître dans 90 jours pour pita parlementaire yo te dit ça pas acceptable dans une période élection qui t'est déjà gain gros parler en pile
quelques là dans yo te mandé le démissionner. The secret service service secret te toujours fait travail li sans échec, mais li te échoué 13 juillet 2024 là ak nan jou avant meeting nan. Service secret a gen plusieurs milliers employés ak yon gros budget, mais li vin paraît incompétent. Chito te di parlementaire yo ke gen moun ki te informé service secret chomp la ke yo te wè yon suspect anvan ancien président te parlé nan rassemblement. If si groupe la te recevoir information ke te gen yon menace, li patap jam mené ancien président nan lié sa. Yon analyste di VOA ke avertissement bien bonnet sou tire ya soulevé an pile question sérieuse. Most definitely there was a failure. Li clair que yo pat contrôler menace même les yo té wè li. Et puis franchement, li ta gen doute raison pour tirer jeune garçon ça. Depuis li té rivé sous dokay la, c'est tap yon action légitime, yon action légale. Donc, moi pas konnen pour qui ça yo té hésité. Démocrate nan Congrès ya té mandé changement nan loi sous armes aux États-Unis. Yo di po diable que ancien président Trump kounye ya c'est youn an pile victime violence zam yo. We almost nous manke perdi yon candidat présidentiel l'autre jour là. Yon jeune garçon 20 l'année té rivé mete main sous AR-15 papal. Li té sou yon dokay nan distance moins que 500 mètres à côté ancien président té yé ya. Après ça, m'a mande ou si AR-15 sa ki te disponible la et nan tout Amérique la, te fait travail ou pi difficile ou soit pi facile. Qui donc ou pa paré pour répondre question ça? Service secret qui responsable pour protéger actuel ak ancien président américain yo. Tankou Trump nan problème après yon nom armé te capable tirer sous Trump étant li te sou yon dokay ki te alantou yon rassemblement nan Larry Butler nan Pennsylvanie 13 juillet 2024 la. De pati yo, républicain ak démocrate, te condamné Tito mande li démissionner. Président américain Joe Biden te remercie directeur service secret ya pour service li après démission li jodi mardi 23 juillet ya. Nan not la, nou ka li comme leader, ça mande honneur, courage ak yon intégrité incroyable pou li pran toute responsabilité pou yon organisation ki gen pou li fè yon nan travail ki pi difficile nan service population. Tito ki tap dirije ajans lan depuis 2022 te di parlementaire yo ke li te pran responsabilité tire ya ki se pi gros échec service secret ya depuis lè yo tenté assassiner président Ronald Reagan nan l'année 1981. Catherine Gibson, VOA News, adaptation créole, Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Et puis, il y a un ancien président républicain Donald Trump qui dit que l'administration Biden-Harris n'a pas protégé assez dans l'occasion du rassemblement. Ça, n'a peine Sylvanie. N'a prêté toujours dans l'actualité, mais l'actualité a prêté toujours ici aux États-Unis avec visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il y a une visite qu'a faite dans le moment où on gros difficulté politique dans le pays d'Haïti et Premier ministre Benjamin Netanyahu a bien pour prendre la parole et devant Congrès et a bien tout Jean-Robert pour faire plusieurs rencontres dans la Maison Blanche et même rencontrer et candidat éventuellement Jean-Robert. Alors Jean-Dia Jacqueline l'a rencontré avec le président Biden et vice-président Kamala Harris. Ensuite, il y a eu le congrès sous invitation et le président de la Chambre des députés a parlé de Mike Johnson. Pour qu'on a toute fourmi pour lui, côté a organisé un gros coquin manifestation devant le Congrès pour protester contre la présence de M. Netanyahu sous territoire américain, mais tout supporté par lui tout, alors supporté israélien tout, il même tout, il a parlé pour faire manifestation. Donc ça, c'est pas un facile du tout. Donc autorité, il y a grand pile du pain sur la planche, mais c'est un gros dossier que le Premier ministre dit, lui-même a profité de présenter. Ça n'a pas fait devant le Congrès pour la première fois depuis 9 ans pour le présenter, pour dire la vérité sur la guerre que le pays a mené dans le territoire Gaza.
L'armée israélienne a attaqué hier lundi à Khan Younis, côté où touye plusieurs douzaines de monde à plusieurs centaines d'autres monde qui recevra l'ordre pour y déplacer. C'est ça, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui était derrière pour venir Washington, côté gagnant l'autre bataille politique après président Joe Biden prend décision pour ne pas chercher un autre mandat dans l'élection présidentielle novembre. And I will tell my friends on both sides of the aisle. Chef gouvernement israélien a déclaré, moi prêt à chercher support deux partis politiques qui important en pile pour Israël. Moi prêt à le dire, zami Israël gagne dans deux chambres. Quel que soit candidat peuple américain élu dans l'élection novembre, Israël a prêté un allié indispensable et jam pour États-Unis dans le Moyen-Orient. Ça, c'est déclaration publique, l'idée israélienne fait. Mais, analyse fait qu'on est dans la course potentielle pour Maison Blanche-là, entre vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump, Netanyahu a préféré les républicains remporter la victoire. Jonathan Reynolds, responsable du département d'études politiques d'Israël Balan University, qui était parlé via Skype, déclaré, républicains ont plus supporté le calendrier de sécurité d'Israël. Mais deuxièmement, ils ont plus pardonné le gouvernement zèle droit d'Israël là avec politique la pratique. Envers Palestiniens. Nouvelle rapportée pour le ministre Netanyahu, mandé une rencontre avec l'ancien président Donald Trump, qui a lancé une politique significative en faveur d'Israël pendant l'été sous pouvoir. Trump a négocié avec Abraham, non, qui normalise les relations diplomatiques entre Israël et les Émirats Arabes Unis avec Bahreïn. Il a déplacé l'ambassade des États-Unis sur Tel Aviv pour mettre dans Jérusalem qui est en discussion et puis réorganiser l'annexion d'Israël avec Mongolie. Finalement, objectif principal visite Netanyahu dans Washington, c'est pour préparer base pour le prochain président américain avec Parlement israélien qui presque arrivé dans 3 mois vacances, l'a avancé propre objectif li dans coalition fragile gouvernement. There may be a political timing that will enable Netanyahu to make a move. Nimrod Goren, responsable Middle East Institute, te parlé avec Voix de l'Amérique via Zoom pour le dire capable de gagner un moment politique qui permet Netanyahu de prendre une décision une fois Parlement en vacances. Sans ça, pas entraîner une rupture immédiate coalition à cause ça tape capable de faire jusqu'à ce que le Parlement recommence le travail. Pendant temps, ça, Netanyahu capable probablement agir contre faction zèle droite dans la coalition et puis joindre une entente cessez le feu à Hamas dans la guerre qui existait depuis presque 9 mois. I believe we're inside the 10-yard line. Secrétaire d'État américain Antony Blinken qui a déclaré sur une passée à une entente comme ça possible, quoi, nous presque arrivés pendant n'a marché dans la direction ligne d'arrivée à pour nous joindre un accord qui est capable de déboucher sur un cessez-le-feu, retourner au tâche de la caillou et puis mettre sur un bon route pour essayer de bâtir une paix avec une stabilité durable. Cependant, plus fort analyse par quoi ils ont entendu cesser le feu pour aller plus loin que phase 1. Parce que oui, Dakusawa a écrit pour ça pour ça des nouvelles voix de l'Amérique là et moi-même Jean-Aubert Philippe t'ai traduit et adapté en créole pour VOA créole dans Washington DC. Merci Jean-Robert Philippe. Et puis une nouvelle qui fait tomber là, c'est que sénateur américain Bob Menendez, qui est sénateur New Jersey, eh bien, il a démissionné comme sénateur après qu'il était condamné pour question corruption dans Vina Détail pour dans l'autre édition. Donc, sénateur Bob Menendez, qui représentait New Jersey, eh bien, il a démissionné après que la justice joigne coupable pour corruption. Vous souvenez au Creole. Et bien, actualité dans le pays d'Haïti, ambassadeur Linda Thomas Greenfield annoncé pendant un passage dans le pays d'Haïti que le gouvernement américain à travers USAID débloqué 60 millions de dollars d'aide humanitaire additionnelle pour le peuple haïtien. Un reportage, Yves Manuel et Steven Aristil. Ambassadeur Linda Thomas Greenfield effectué une visite 24 heures dans le pays d'Haïti lundi 22 juillet 2024. Là. Objectif visite ça, c'est pour réaffirmer support les États-Unis à bail pour transition démocratique là, rivé faite en Haïti et pour sécurité et bien-être blaï pour tout peuple haïtien. Ambassadeur Greenfield, pendant passage li dans le pays, rencontré membre conseil présidentiel. That the United States, through USAID, is providing an additional $60 million de plus
in humanitarian assistance pour assistance humanitaire, to support the Haitian people, pour supporter les peuples haïtiens, alleviate the suffering pour soulager les souffrances caused by gang violence and political instability. Et causé par la violence des gangs et instabilité politique. Yon l'autre côté, ambassadeur américain a annoncé tout yon paquet si yon la donne machine blindée avec divers sortes matériels techniques pour supporter mobilité mission multinationale sécurité dans le pays d'Haïti. À travers le département de défense, I'm also announcing aussi that the State Department, le département d'État, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, et affaires de bureau narcotique, intends to procure an additional broad range of armored vehicles. De véhicules armés, de véhicules blindés. This enhanced vehicle package, et ça aussi, package de véhicules, will further assist qui va assister plus the MSS mission de support là, in combating gang violence in Port-au-Prince. Et pour combattre violence gangue ici Port-au-Prince. Ambassadeur Linda Thomas Greenfield, qui fait voyage ça dans un avion militaire, est accompagné de Brian Nichols, secrétaire adjoint dans affaires hémisphère occidental. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et n'a tout dit que gagné ambassadeur les États-Unis dans le pays d'Haïti tout qui annonçait que gagné un troisième contingent, un troisième groupe policier qui a gagné pour entrer dans le pays d'Haïti, mais cette fois-ci l'a sorti dans le pays et Jamaïque, en attendant que nous gagnions environ 400 policiers qui c'est moun pays Kenya qui dans le pays d'Haïti pour aider la police nationale là, et ben kwape gang améo. Et puis n'a dit tout que débat continue à fait par rapport à démarche mise en place conseil électoral provisoire avec publication arrêté qui lié à organisation conférence nationale là, donc gain pile débat qu'a fait sous question ça. N'a pas retourné sous et nous t'ai parlé de démission et Bob Menendez, et ben n'a dit que démission ça l'a effectif le 20 août après que joigne la justice joigne sénateur et ben coupable pour corruption pour coûte l'argent imbattable, li représente New Jersey et yo te jwenn verdict la te sorti 16 juillet qui saute passé là et li annoncé que eh ben la baye démission nan comme sénateur qui te représente New Jersey et qui c'est un moun en pile fois prend position par rapport à question Haïti. On a parlé de sénateur Bob Menendez mais il dit que le 20 août cap vini là et ben il y a la baye démission nan Congrès américain ou bien nan Sénat américain après que la justice joigne coupable pour corruption, il était recevoir coûte l'argent imbattable avec il était même fait perquisition la Cali côté il était joindre corps, il était joindre des gros bâtons l'or et donc tout ça fait que ben sénateur et n'a problème. Donc pratiquement c'est là nous mettait fin dans programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir et gros point cap dominer actualité à c'est demain soir président Joe Biden pour le prendre la parole quelques jours après que ben il décidé by vague à course présidentielle là et li endossé vice-président li en parlant de Kamala Harris qui lui-même déjà en campagne pour le joindre eh ben assez délégué pour le capable à le représenter parti a dans élection présidentielle qui fixée pour 5 novembre mais faut nous tendre convention nationale parti démocrate là qui va le dérouler sorti 19 pour 22 dans ville Chicago dans état Illinois nous connaît VOA Creole la présent et demain soir a gagne un programme spécial dans occasion discours président Joe Biden pour le mettre devant peuple américain après que il fait yon crase qui était ça. Merci Franklin et merci Chang Wang, merci Abela pour contribution dans programme ça. Moi c'est Jacqueline Belizère donc rendez-vous demain pour yon l'autre rendez-vous info. Bonsoir. Dans la commune Gressier, même plus capable démanteler réseau criminel, réseau gang qui est l'état de bébé Bougoy et qui fait partie association criminelle vivent ensemble qui a des problèmes dans presque 90% territoire andi capitale haïtienne et zone qui environne yo. Et bien selon agent exécutif intérimaire ça Jean-Vladimir Bertrand monsieur dit c'est vrai bandi yo
yo pas campé tout dans quatre assaut attaque y a fait sous moun ka vive dans différents localités mais la police sous lui même bon côté parle yo pas campé yo pas baissé les bras yo avancé sérieusement avec une série opération et de même tout à côté de Crécier gagné tout et commune et Gantier après que nous connais qui sa bandi 400 maozo commettre dans zone ça week-end passé en là la police la médaïti monsieur l'armée monsieur Kenyan yo nek yo mobilisé y a déployé et y a gardé comment que yo ka permettre que la paix rive établi dans commune Gressier et je nous connais déjà dans état d'urgence sécuritaire que PM nan li même li té décrété mercredi 17 juillet mais côté que il dit clairement que gè 14 communes, 11 dans le département de l'Espéyan et 3 dans Balatibonite, l'État décaissé, état d'urgence sécuritaire. Et l'État pral rive présent à travers la police pour prendre le contrôle de zone Sayo, caille en caille, quartier en quartier et ville en ville. Désir Venesse, bonne situation que nous apprenons. Collaborateur nous, Fred Kelito, Banat, informez-nous de lui. Et qui s'allie? Et Zami était notre de très bien samedi là. Selon sa collaborateur nous, Kelito dit nous, Enrad Villabel Talleux. En détail sur ça. Vous connaissez l'examen 9e année fondamentale qui démarre dans tout pays. Mais dans Port-au-Prince, en dessous d'Elma, zone aviation, il y a des gens qui pourraient composer dans de l'école, dans la zone Sayo. Et bien, sous zone piste aviation, selon ça que Kelito joue comme témoignage, non mais en pile élève, si moun sa pral composé, ou équipe bonne si volé, ou équipe bonne si vicieux, nan bloc sa, qui sa ou fait, yo, et prête zam sou ti moun yo, yo déchèpille ti moun yo, yo pren téléphon yo, yo pren l'argent yo, yo pa kite an yé sou ti moun yo selon sa ki di, bon kote collaborateur nou Kelito. Nan sens sa, pou moun ke nou ke, comment ke nek yo, nek yo sa pitié, et di nek yo sa pitié, de pa blie. Pabli Ekounia, gwe ki bon zon la, la police sterilise zon sa yo. A di, pa gen business, pa gen yon pou nèg yo al kase, pa gen yon pou nèg yo al volo, pa gen moun pou yo piye, pa gen machin ki pou pase. A di, nèg yo komanse Kounia la santi, tout sa yo te komanse vole piye yo, yo komanse fini. Kounia, et gen de kote yo te ka fe ak aso, yo pa ka arrive la parce que gen blende, la police plus ou moins présent. Mais Kounia la, nèg yo ki santi ki yo komanse en faiblesse, yo commence à commencé grand goût, yo commencé que des problèmes, yo connaît si moun yo pral composer dans moment, par un ba un petit cob, y a des téléphones sur yo, nèg yo déchèpillé élève yo. Et c'est là pour me dire nous, l'offre zone aviation zone piste, té gon ensemble de gros business en bas ça. Nous on dit que marché Titoni, nèg yo té cassé nèg yo pillé, y a ensemble de l'autre gros business en bas ça, nèg yo cassé nèg yo pillé, pas gagne pour voler encore, pas gagne pour piller encore. Kounya c'est ti moun yo, élève l'école yo. Qui va gagner pour avec l'ex nèg va faire que la CEO cap victime en bas action criminelle ça yo et c'est là pour nous comprendre l'aime toujours dit que nèg ça yo pas gagner état d'âme nèg ça pas gagner sentiment bandi pas gagner religion bandi pas gagner chapelle bandi pas gagner appartenance et dans sens ça je dis hein que autorité parce que pas oublier récemment des Ivenes nous songe que PM nan t'a organisé un CSPN spécial pour dans occasion déroulement examen l'état yo et mais si un CSPN spécial qui organisé qui ça qui expliquer que jodi en gain de zone la police pas plus présent pour contrer kayak ce bandi yo parce que ça qui a passé là il pas trop loin Basimo il pas trop loin on dit monsieur 3 mai il pas trop le Kafouavi et Kafoua aéroport. Il n'y a pas trop le boy tout. Qui donc, il faut la police plus présent dans l'ensemble de zones, dans l'ensemble de axes, pour empêcher que bandits, pour ne pas déchirer les élèves. Parce que sinon, si il prend bagarre dans les élèves, les élèves vont faire résistance. Il y a qu'à tirer de ces gens. Désolé, comment est-ce que mon frère, soit en bas de où? La situation, nous sommes contents de retrouver, non, parler pour changement avec les amis internautes qui branchent un peu de partout. Autorité dans le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, et Services maritimes, dans la navigation confirmée. Que bateau qui était poté dans cette Philomène et était prédifié et était bien plus passé 80 moun qui était là-dedans et moun sa c'était dans zone Picolet et dans cap haïtien dans cadre d'un voyage qui t'a fait dans la nuit jeudi 18 juillet plus passé et 40 moun perdu la vie à plusieurs autres sont blessés d'après autorité silayo qui exhortait population haïtienne pour éviter faire genre de voyage ça et qui gagne gros conséquences sur la vie parce que il y a des pièces garanties qu'il y a réussi mais ont décidé entendre pour faire modèle voyage ça.
yon rencontre déroulé dans mitan ambassadeur pays d'Haïti États-Unis dans pays d'Haïti et côté ambassadrice Nations Unies et auprès de l'ONU nous voulait parler de Linda et Thomas Greenfield à comme conseil présidentiel transition eux aussi t'a parlé sur ensemble problème qui gagne dans pays et d'après rappeler premier ministre Guy Boni te prend pas dans rencontre là journée qui était lundi 22 juillet 2024 là c'est sous situation insécurité pays là c'est yon rencontre qui baille résultat d'après diplomate américain qui déclarait yo pral travail pour comment yo capable améliorer climat sécurité en dedans pays d'Haïti et même faire promesse que de l'autre matériel cap continuer vinn joine la police au moins cap continuer faire activité qui cap combattre gang yo suspendre terroriser population civile dans diverses zones à travers pays. La police en tête collée avec paquet Okay arrêté Marekou Krab, six présumés bandits et puis yo saisi des armes sans compter manchette que yo saisi non mais bandits si là c'est dans la nuit 22 pour l'ouvrir 23 hein la police entend 21 pour l'ouvrir 23 pardon 21 pour l'ouvrir 22 la police avec autorité dans paquet Okay menait opération cela d'après commissaire gouvernement Okay là M. James Jean-Louis il y a cherché conchin fou Kazek 3e section communale Camperin Emmanuel Duval qui t'a aidé yon bandit mettez van envoyer l'écouter sauver. Ça a eu fait quoi que ou pas quitter Kazek pour continuer à semer des agréments dans zone là ou bien mettre des connivences avec bandits qui a opéré dans toute forme dans toute gens dans localité cela parce que les Kazek là entendent pour faire et bandit ça a sauvé ou pas connait qui ça qui caché derrière tête li yon groupe jeune qui était inscrit pour être rentré dans l'armée d'Haïti depuis plusieurs années pour autorité yo continuer avec processus là pour yo permettre yo intégrer force l'armée d'Haïti parce que yo même yo senti yo paré pour servir pays a surtout dans situation difficile que ouais pays a connait là Blaise Peterson et c'est hier lundi qui se passé a examen officiel yo tant mais tout partout à travers pays a ou fait que ce remarque là ça qui passé un groupe d'élèves sans doute t'a pas composé que yo fait braquage sur yo ses téléphones mais est-ce que élèves yo prudent tout parce que ministère éducation nationale t'a dit avec élèves yo pika y aller à téléphone dans cet examen yo. Si moun braquer élèves yo vient téléphone sur yo qui ça t'a pas faire avec elle est-ce que t'a pas dans cet examen avec elle est-ce que t'a pas des problèmes avec surveillant et superviseur ou bien responsable cet examen yo parce que ministère interdit que élèves pénétrer espace côté examen ou a déroulé même dans la cour yo pas ta dû rentrer avec téléphone peut-être tout a dit que t'a pas quitter téléphone mon côté mais pas gain autorisation ça du tout parce que espace côté examen a fait la personne élève pas autorisé pour rentrer avec téléphone dans espace là bien que ministère qui mettait ça il pas dit que est-ce qu'il mettait moyen de communication pour ti moun yo si pendant yo dans examen un gros malaise pour communiquer avec famille ou avec parents yo ministère a pas parlé de ça mais tout simplement il parlait de interdiction téléphone qui pas doué rentrer dans espace examen Blaise Peterson. Et dans moment visite ambassadrice pays les États-Unis auprès de l'ONU, il parlait de une question de 60 millions de dollars qui pratiquement a toujours venu comme support pour aider autorité haïtienne particulièrement dans la justice. Et il répartit pour garder ensemble policiers qui pratiquement fait que saute gratuit dans 33e promotion 786 policiers parmi yo gen 112 femmes qui gradué dans 33e promotion et dans l'école nationale police nationale d'Haïti majorité dans yo qui pratiquement entendent qui gradué un support de l'agent à travers Bini. Bini pral porter support pour yo. C'est ça que responsable Bini déclaré dans question l'agent qui soit à bail et pour exercice fiscal année 2023-2024 et vous parlez de un paquet de gros sommes l'agent soit 167 millions et yo 60 millions c'est quand est l'âge c'est quand c'était l'agent ben personne qu'à investir pour permettre que la police nationale d'Haïti vienne plus efficace pendant les 600 millions qui en rotation pour question mission multinationale qui a rentré en dedans pays et qui déjà commencé déployer en dedans pays c'est des situations en pile dans mon après cette question est-ce que l'innormal pour l'agence à te dépenser tant que j'ai dépensé et en pile mon continue à poser question qui bien fait officier kenyan yo qui pral gagner plus que moi en dedans pays parce que songez premier contingent qui était débarqué dans pays li pratiquement déjà gain un mois depuis le vini on l'autre contingent descend vini ou jusqu'à présent pi gros bagay que nous ka dit que nous ouais officier kenyan au fait c'était démonstration rivé en bas la ville là les coups de balle te tiré sur yo jusqu'à présent pas gain rien qui qu'on décide fait et autendé même groupe moun sa ou di officier kenyan kal vin faire formation pour police nationale d'Haïti et accompagner dans opération qui pral mener il permet que en pile haïtien ka réfléchir sur situation sa situation yo paraît trop clair il a posé cette question. Est-ce que autorité ça veut résoudre problème là ou ka boire des images dans espace côté base officier kenyan yo côté base
mission multinationale là est tout collé avec aéroport international 221 ou après qu'il y a un ensemble de matériels qui disponible ou après qu'il y a un ensemble de gros dépenses qui fait en espace ça c'est l'argent qui dépensé dans nos pays d'Haïti à cause de sécurité qui gagne la belle situation yo pas arrivé faire rien pour jusqu'à présent moun yo senti yo bouqué spécialement dans le département la Tibonite qui pas connaît à qui c'est on doit avancer parce que autorité a fait promesse et puis bandi eux même il a agi dans niveau pas et puis belle situation question escombrite entre premier ministre Gary Conille avec Claude Joseph là l'idée sérieux c'est pas on jouet que lié belle situation c'est pas prank que lié belle situation c'est pas boss que lié nèg était dans gros tir coupé vrai nèg était dans gros discussion vrai et en pile causé piment bouc déclaré cette bataille pour prendre contrôle conseil administration BNC c'est bataille pour Claude Joseph capable prendre contrôle FNE et Claude Joseph déclaré niveau président allez déjà niveau premier ministre allez déjà et c'est question que tout le monde a posé est-ce que Claude Joseph réclamé mouvement criminel vivre ensemble t'a fait dans niveau capital pays a s'il fait mention quel t'en voyé Ariel aller et tout le monde connaît c'était bandio et bien ça fait mention directe avec Claude Joseph comme nèg qui était dans Ameza, dans Amenega Xamio, ou bien dans chercher munitions bayo, dans ba stratégie pour attaquer ensemble des édifices publics ou privés en dedans capital pays, hein, qui mettait tout pays à genoux. Les personnes, vous pouvez laisser d'autres analyser et questionner ensemble des déclarations, ensemble des positions ça yo, pour connaître qui côté pays à camper. Est-ce que la bataille tout bon vrai pour nous retirer Haïti dans sa qu'elle trouvait, je viens de dire, les personnes. Bien qu'on devienne sous Baïsa des Ivenes, mais bon, je bien, m'ral venir avec le Gérald Gilles. Et qui lui-même gèle été ba on interview avec confrère nous Wendel Théodore quoi c'est dans métropole qui pourquoi ça qui attire attention dans internet moi yo qu'elle regarde nous parlons de tout à l'heure monsieur dit comme ça c'était une rencontre vraiment informelle mais une rencontre ça yo t'a discuté pays on va pas informer lui mais yo t'a discuté pays mais ce qui base comme si y a discuté pays. Mba dit non Claude Joseph pas capable là non mais est-ce que Claude Joseph c'est un endroit mais Claude Joseph pas un état pas un homme d'état nan moment monsieur pas un homme d'état monsieur si conseil le Gérald Gilles là et conseil Smit Augustin là exemple GPM Konniki là mais ce qui base Claude Joseph là Emmanuel Vertilet là tout et oui ce qui base là ça veut dire je dis hein qui ça expliquer tout moi Jean Charles là tout ah ba me garder si me jeune toi c'est toi ça me jeune n'a pas garder ba ça hier Blaise li montre ouais je dis hein question sérieuxité bon côté si là qui c'est homme d'état pièce moun pas ka croire dans yo parce que son équipe panti ou équipe criminelle qui a arrangé pour venir faire crime économique en pile dans yo ko ta ka faire confiance même que ou nèg yo rivé dans troisième âge ou ta ka dit mon nèg ça ou pas gain rien et yo pral attendre que yo cap réaliser dans vie yo encore parce que yo fin grand monde qui ça va faire c'est bataille pour quitter non yo propre ou ti moun yo pour cap citer nos de bien mais qui ça que fait pour pays mais malheureusement c'est une équipe nèg qui arrange yo depuis dans jeunesse yo te kon volé depuis dans ti moun yo te kon fouet doit manger grand monde sous table là arrivé pour y gérer pays yo entendre pour y faire le même genre on est temps pour Maurice Jean-Charles li pa gen l'autre bagarre que planification craser pays li pa gen l'autre bagarre que ta fait que planifier pour manifestation parce que il y a un doctorat dans ça, il y a un diplôme dans ça. Et pour entendre pour dire ou fait rencontre pour parler pays, Maurice Jean-Charles la donne. Qui ça Maurice Jean-Charles dans le gouvernement? Mais c'est dans des tout. Pas que on en est déjà pas vraiment qu'il en est qui là ou monsieur dame qui là qui va passer sérieux non? Quel que soit dans le gouvernement, quel que soit dans le conseil présidentiel là. Regardez palmarès passé des. Moi quoi qu'il on dit comme si en pile nex ça sont catholiques, nex ça sont et femmes ça sont catholiques, c'est dire li blanc ou la neige, li sept couleur. Non mon cher, regardez passé tout pour nous. C'est même eux même non oui. C'est si avec passant oui. En tout cas, désir m'faire mon entendre avant de faire salutation, m'faire mon entendre Lucia, je passe mon la très important désir. On va aller mais m'faire mon entendre. Sont tout à fait informels et amicales, nous te dit dans Fontichita pour nous parler, pour nous discuter de pays. Et puis, dans la discussion, il y a eu des mots qui fâchent, les mots du PM Claude Joseph. Oui. Donc, ça vient de faire que, en effet, vous connaissez Haïtiens, c'est vrai, il y a un échange assez fort entre deux hommes, mais deux Haïtiens. Nous pensons que journée et aujourd'hui, quand il m'a parlé avant là, nous parler avec tous les deux, ils comprennent que ils ont été assez trop forts, trop loin, un petit peu leur échange. Mais cette histoire de bataille, de gourmet qui était gagné, c'est normal, nous connaissons les réseaux sociaux, pas bientôt, ils ont amplifié un pile.
on a même avec les Yougounia, tout tête au fait, toute bêtise au fait réseaux sociaux. Réseaux sociaux va prendre. Comme c'est tout comme si réseaux sociaux c'est lui même qui fait toute bêtise tout tête. Au contre ça gagne blesse. Mais qui chale après? Mais nous fait telle, nous fait tête, nous fait bêtise comme si réseaux sociaux. D'accord comme si vraiment gagne des dérives qu'a fait sur réseau. D'accord, il y a des dérives qui ont fait sous lui. Il y a des confrères et consœurs qui ont fait des dérives sous lui. Mais quand il y a là, nous n'avons pas appelé la gay, tout ça n'a fait comme bêtise, comme grand style pour nous avoir sous les réseaux sociaux. Parce que qui est-ce qui est ou d'accord que c'était une rencontre informelle. Et puis, informelle, amicale. Et nous avons discuté des pays. Et puis, pour. Ou d'accord, il y a des bagages qui t'ont dit qu'il faut dans le métanègue. Ou d'accord, oui. Et puis, nous avons dit que les réseaux sociaux ont été pâles, ont été sel, ont été douces. Ou d'accord, tu vas désir. Les en pile fois ouais nèg yo qui dans pouvoir qui dans gouvernement je dis hein y a jugé haut et fort et jeune garçon jeune femme qui formé qui éduqué qui pratiquement a travaillé à travers les plateformes médias sociales tant que moi-même à coup qui pratiquement c'est produit des médias traditionnels là qu'on connaît médias traditionnels là qui pratiquement vivent des publicités directement que nèg yo ka pote bali gen bagay que ou pa parler jodi an media social la mette OK media traditionnel yo nan position pou yo parler tout cause parce que il fit temps il était cap difficile pou t'entendre cause ça parler exact parce que gen en pile nan media que yo dis ki c'est gros media nan capital la qui pratiquement a travail pou moun ki nan gouvernement exact. Y a fait ka se faire couvrir ça c'est ça que jodi an y a lapider moun ki nan media social yo parce que depuis balak passé nek ki nan media social la, li pa mari pièce côté, li pa besoin spot publicité nan men pièce oligarque. Exact. Exact. Li pa besoin subvention nan men pièce ministère. C'est travail ki l'a fait, la bay information c'est ça fait ou après nèg yo ki nan pouvoir, yo pratiquement acide envers jeune garçon qui formé. Tant que moi avec Blaise qui vient là, ou ka vinn parler de pote ki jan de nous qui sont dans média traditionnel là jodi hein, qui a travaillé à travers média sociaux, nous pas venir dire n'importe quelle bagarre, nous pas venir faire sensation, nous pas venir vous monter, mais n'a pas information n'a analyser, c'est ça qui dégue besoin connait la situation. Le bagarre encore, le bagarre encore ça veut dire ni moi ni vous qui sorti dans média traditionnel là, nous connait nèg yo, nous connait pile yo. Mm-hmm. Dit nous connait en pile dans nèg yo dans acteur yo et nous fait interview avec et pas ici à nous seulement. Depuis dans média côté nous ça nous parler avec yo. Je dis à femme d'accord, c'est que nous d'accord que il y a des dérives qu'a fait dans les médias, mais sur les réseaux hein, et dans les médias en ligne. Nous d'accord qu'il y a des dérives dans tout. Mais femme d'accord, tout, il y a pile bon grain de journalistes, n'est pas comme t'as coup désir, et l'autre qui peut être qu'a fait travail ça sur les réseaux hein. Mais je dis à ma bonne dit, ça passe là, je dis en désir. C'est longtemps là, n'est-ce pas que nous avons et animateur mais présentateur et qui dans émission de grande écoute yo quand on t'a fait après les next salaire ban next coûte l'argent yo t'a regardé yo t'a géré patron média ça bon t'a jamais entendu ça parler sur dans la presse ça t'a jamais parlé mais je dis hein à travers technologie hein à travers appareil intelligent yo eh bien tout cas cache dans la rue qu'on a ou bien quoi avec OK ou organiser yon rencontre informelle amicale. Claude Joseph t'es là. Etel t'es là. Etel t'es là. Nous avons discuté pays. Alors que, t'as dit, oui? Gen 9 conseils, pas vrai? Gen yon PM Garikoni qui se premier ministre gouvernement. Nous d'accord ça. M'a dit non que Claude Patakapa là, non, m'a dit ça. Ok? Parce que lycée est un endroit. Mais il prend un homme d'État dans un moment. Mais kounya, si nous n'avons discuté pays, c'est pays n'avons discuté. Gévi la d'accord que conseil au prend comme palais national. Il va en bas encore. Il quitte en bas pour bandi affaire et les faire en bas. Il prend Villa d'accueil comme bureau. Gévi la d'accueil, eh bien, gagne résidence officielle PM qui face à face avec Villa d'accueil. Bagala la sainte mes amis. Un logique qui est très simple. OK? Si n'avons discuté pays. OK, ma problème non? Eh bien, pour qui ça? Ou c'est conseil présidentiel, ou qu'a écrit avec les conseillers formellement ou écrit PM, nan, ou mande ou en compte pour discuter des pays. Ça n'a pas de problème. Non, comme si même les clôtés là, quand c'est le représentant, mais nous t'a fait ça. Nous t'a fait ça, non, bagaille formel. Non, bagaille formel, nous t'a fait laisser tout, nous t'a d'accord que bagaille formel. Mais quand nous faisons bagaille informel, amical, nous avons les causes nous en bas, quand nous avons dit, oh, et nous t'a discuté des pays. Qui paye la discuter là? Bon, mais quand nous là, conseil au bras pour 3 mois là, qui ça vous fait? Regardez, imaginez,
Joy Anzi, ambassadrice américaine entrée en Haïti, ou jeune président, ou jeune chaque conseil écrit sous by page XO, il était rencontré avec l'ambassadrice là. Chaque conseil, oui. Chaque conseil écrit, il était rencontré avec l'ambassadrice là. Alors que la présidence, comme l'institution, tu as mis un texte dehors, dit OK, la présidence, le conseil et présidentiel, il était rencontré avec l'ambassadrice là. Mais chaque nègre a écrit des choses séparément. Et chaque nègre a mis en communication. Maton quand on dit ça sur telle radio et puis on dit ça sur telle radio, ça veut dire chaque nèg a fait affaire par eux. Bien la petite des pays, n'a pas décaissé gros l'argent. Et bien la petite n'a parlé des pays, qui des pays n'a parlé la messie dame. Bien sûr personne. Mais pas de qui ça que t'as planifié. Pendant que ça nèg t'a planifié dans la rencontre là, Claude Joseph a goumé pour le prendre Fonds National d'Éducation FNE. C'est lui-même qui vous mettez monde qui vous dirige. Et connaît Fonds National d'Éducation, c'est souhait compatriotes qui sont dans la diaspora, qui ont fait plusieurs jobs, mais qui ne peuvent pas même répondre avec les taxes qu'ils ont gagnées pour payer aux États-Unis d'Amérique. Ils ont châtré comme ils ont travaillé pour faire un geste avec une famille qui a gagné dans le pays d'Haïti. Depuis qu'ils ont fait comme là, il faut 1,50$ aller dans le Fonds National d'Éducation FNE. C'est lui-même que Claude Joseph a voulu pour le prendre. Pour quand tu te gagnes, que Claude Joseph te fait dans la diplomatie haïtienne, lui ne va pas dire rien. Je dis la goumen pour le grand FNE. Et nèg yo a bataille pour permettre que yo aide Andy Aped, pour yo aide groupe et Hôtel Oasis qui en faillite, qui doué BNC l'agent. Y a goumen pour yo wè si yo kap changer et conseil et présidentiel BNC. Alors conseil administratif conseil FNE. BNC pour yo capable arranger yo pour capable ramasser l'argent pour capable annuler dette là dans BNC. Qu'on y a pour nèg la pas honte comme on est que monde ta faire confiance en dedans pays a qui est ça pas cool pour étudier lui Gérald Gilles comme médecin de son état monde ta lui faire confiance mais faut garder racine auto faut garder racine nèg yo gère la pas la qu'on y a faut garder racine yo frère ça c'est des nèg qui t'est honte ça c'est des nèg comme si yo garder quelques années là santé économique yo craser yo vinn là pour venir faire santé économique yo et ça là même tout ça match ton nèg qui dans conseil là c'est à fond qui dans conseil là. C'est santé économique qui vient de faire. Parce que yo te de la gaba.